Yo tout le monde les gars, c'est Léger, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va plutôt bien. En tout cas j'ai une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Et voilà, j'ai une nouvelle vidéo pour des largages de ravitaillement. Donc cette fois on va ouvrir que des ravitaillements rares. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord j'ai 300 kills cryptage et 200 CP. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a eu récemment une petite mise à jour. Donc les CP ça sert à ouvrir un colis de ravitaillement rare. Donc voilà, 200 clés, ça fait un ravitaillement rare. Donc voilà, après c'est vrai que pour les points code, je trouve que c'est assez cher. C'est un peu comme sur Advanced Warfare. Bon, c'est pas bien grave, on va pas aller voir, on va pas perdre du temps. Donc maintenant aussi, on peut détruire les doublons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, on a eu 2 épiques et on se le fait rembourser. On a par exemple 24 cryptages d'une connerie. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc c'est assez bien. Après là on peut voir voilà ce qu'on a eu récemment. Donc c'est assez bien aussi. Voilà, je fais un peu montrer pour ceux qui sont pas au courant ou qui n'ont pas encore joué, tout simplement. Voilà, je vous fais présenter un peu le menu et tout. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite avec les 200 points code. On va voir ce qu'on va voir. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'on peut gagner des monochrome sur la coda. J'ai déjà, voilà, par exemple là j'ai gagné bonus clé de cryptage. Du coup j'ai gagné 20 clés de cryptage. Donc voilà, ça fait plaisir. Du coup j'ai 320 clés de cryptage. Bah du coup je peux faire 10 openings de largage rare. Donc voilà, nuit, j'ai eu le monochrome sur la coda. Donc voilà, là on va aller voir ici. Donc vous pouvez voir que j'ai un épique que j'ai déjà eu. Si je me le fais rembourser, normalement ils vont me donner des doublons. Voilà, ils me donnent 10 clés de cryptage. Du coup on peut ouvrir, il me semble, 11 ravitaillements rares. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, gros, c'est parti avec le deuxième ravitaillement. En espérant aussi, pour ceux qui savent pas, oh, chaleur sur le jeu, ça fait plaisir. Oh là là, ça fait plaisir. Oh, royal sur la Drage. Je sais pas comment on prononce trop, mais bon, voilà. Et Pégase. Moi ouais, je pense que ça se prononce Pégase. Voilà, sur la Gorgon, tir rapide, d'accord. Bon, assez bien. Donc voilà, vous pouvez voir à tout à droite là on gagne des bonus de clés de cryptage. Donc du coup on gagne des clés de cryptage. Donc on peut vraiment faire un gros opening pack. Du coup charge époque est plutôt sympathique, on va dire. Et plus c'est un rare, ils ont fait une petite mise à jour. Donc voilà, maintenant c'est plus pareil. Voilà, aucune garantie. Donc ça c'est pas comme avant. Voilà, c'est aucune garantie d'avoir d'avoir un truc rare. Que avant c'était petite chance, là c'est aucune garantie. Donc voilà, si tu te fais douiller, voilà, t'as rien à dire quoi, ils te l'ont prévenu. Petite chance de larguer des objets rares, légendaires ou épiques. Donc voilà, les précisions bien là. Garantie un objet rare ou supérieur avec plus de chances d'obtenir un objet légendaire ou épique. Donc là du coup on a plus de chances qu'avant. Donc voilà, petite mise à jour. Donc voilà, allez, on continue avec les clés de cryptage. C'est parti. D'accord. D'accord, pas mal. D'accord, bon, c'est, il y a mieux, mais bon, on va pas trop se plaindre. Ouais, c'est assez bien, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse plus. Moi, je veux du sniper et la clé à molette. Voilà, pour ceux qui savent pas, il y a une clé à molette pour les coups de poing et autre chose, je me rappelle plus trop. D'ailleurs, maintenant, on n'est pas obligé de revenir en arrière comme ça, on peut directement y aller. Mais bon, je vais vous faire voir, vous allez comprendre. Allez, troisième largage. Non, ça, je m'en fous. Oh, le glace sur le KRM, ça fait plaisir. Étouffement, mouvement, Outrider, Manager. D'accord, voilà, là, on va directement, ça va plus vite là. Allez, go, c'est parti. Encore hallucination pour le couteau, un camouflage rare et chien. Voilà, c'est un peu de la merde. Donc voilà, donc moi ce que je voudrais franchement, c'est soit la clé à molette, le coup de poing américain ou le tournevis. Franchement, ça me ferait super plaisir pour faire des gameplays dessus. D'accord, pas passer loin. Oh, dévastation sur la pharo. Oh là là, j'aime sur la Razorback que j'ai déjà, mais c'est pas grave, je vais rebluffer entre, ça me fera des doublons. Et dévastation que j'ai, bon, ça fait plaisir, même si je joue plus trop forcément. Mais bon, c'est pas grave, allez, go, on continue dans les largages. Oh là là, Neptune, ICR canon. Ouh, ça, c'est un largage qui fait plaisir. Du épique, du rare et du légendaire. Voilà, variante ICR canon long, ça fait plaisir. Dans la jungle, ouais, ça a l'air destillé. C'est de nouvelles mises à jour, je pense. Et glace pour la manoir, ça fait vachement plaisir. Allez, on continue avec un largage de ravitaillement. Une petite clamolette, s'il vous plaît. Putain, ouais, là ça pue la merde. Y'a rien de bien. Donc voilà, à chaque fois, en plus, j'accumule des clés de cryptage en fur et à mesure d'ouvrir des colis. Donc c'est plutôt bien de ce côté-là. Oh, ruine, il est beau. Ah, ruine, il est stylé. Franchement, rien à dire. Ok, d'accord. On continue. D'accord. Chien pour Locus. Et variante HV430 poignée. D'accord, c'est toujours bon à prendre.
Il nous reste 3 largages en espérant. S'il vous plaît, putain, une clé à molette ou un truc sur sniper, un truc bien poussière, je m'en bats les couilles. Et putain, on s'en fout de ça. Putain, allez, encore. Allez, allez, s'il vous plaît. Oh, bonjour sur les SVG, ça fait plaisir. Dévastation sur le KRM. Bon, ça fait plaisir aussi. Et glaçons, ça, on s'en fout littéralement. Bonjour, ça fait plaisir par contre. Allez, on continue avec les petits clés cryptage. Hallucination sur la Dwage, on s'en fout, ça aussi. Et lumière sur Razorback, qui est vraiment stylé. Allez, je pense là ça va être le dernier, à part si j'ai des doublons et que je peux revendre. Et pourquoi pas faire dernier largage. D'accord, d'accord. Bon, c'est assez stylé pour la Vespa. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est le Reaper Thème tête. Ok, on s'en bat les couilles un petit peu. Donc là, on va voir si je peux détruire des doublons. Ouais, non, on pourra en détruire, je pense. Au moins que ça nous fasse un dernier petit ravitaillement. 26 clés de cryptage, d'accord. Du coup, on va pouvoir en refaire un petit dernier en espérant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez-moi la clé à molette, le coup de poing américain ou le tournevis, putain. Allez, s'il vous plaît. Non, non. Ouais, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Hein. Mouvement se vanter. D'accord, je crois que je l'ai en plus. Voir si j'ai plus de... Ah, ça peut me suffire. Je serais à 29, je pourrais même pas en ouvrir un autre. Ah non, 29. Putain, au pire, on va faire 3 largages. Enfin, 2 largages de standard pour voir si c'est mieux du coup. Ou franchement, c'est vraiment la mise à jour. Elle sert. Ouais, voilà. On voit quand même sur la mise à jour, il y a eu un gros patch. Avant, on était limite. Ben, on va dire quasi sûr d'avoir un rare. Alors que là, franchement, non, rien du tout. On va avec le prochain. Allez, c'est parti pour le dernier. Putain, j'aurais jamais cette petite clé à molette. Ouais, voilà. On peut voir franchement qu'il y a eu un gros patch là par contre. Bon, encore des doublons, hein, j'ai envie de te dire. Tant mieux. On peut voir franchement qu'il y a eu vraiment un gros patch. Hein. Bah, franchement, il y a vraiment eu un gros patch. Ouh, dévastation avec la Kuda que j'ai déjà. Magnifique. Ah, M8A7 chargeur rapide. D'accord, boss, toujours bon à prendre. Voilà, je prends du plus de doublons. Donc voilà, c'est tout pour ce petit opening pack. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager et vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Nézia. Allez, salut.